maintenant le lendemain demain. Malo, dépêche-toi, elle va nous attendre. Le confinement sera vrai. Et viens dans ma chambre, il n'y a pas de connexion dans la cuisine. T'es bruyant, toi. C'est presque plus reposant d'être de garde. Loïs n'est pas connecté. Bah, elle doit coucher Wallis. Là-bas, je suis d'astreinte. Ah oui? Tu vas plus chez elle demain? Bah non. Bah, remarque, c'est peut-être mieux, enfin, je veux dire plus sûr. Pour le petit bout. Qu'est-ce que tu veux? Ah! C'est maman. Oh. C'est bizarre pour Loïs. Hein. Elle n'a pas non plus répondu à mon message que j'ai envoyé tout à l'heure. Bah, essaie de l'appeler sinon. Attends, je vais tenter son portable. Peut-être qu'il est encore plongé dans ses révisions. Je sais pas comment elle fait, franchement, pour tout gérer. Ah! Eh bien, Loïs, tu faillis. Malo? Wallis? T'es pas au lit, toi? Maman t'a donné... Mais elle est où, maman? Dans la chambre. Sa chambre? Mais comment ça, elle est pas bien? Oh non, elle a de la fièvre. Je sais pas. Elle a dit qu'il y avait sur Wallis. Attends, Wallis, elle a dit ça à qui? Ce que tu viens de me dire, elle l'a dit à qui, maman? À moi. Elle m'a donné le téléphone et elle m'a dit... Dis à Malo, viens veiller sur Wallis. Mais plus fort, j'entends. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je peux lui parler? Elle est dans la chambre, elle a fermé la porte. Demande-lui si elle tousse, sinon. Mais chut. Mais tu peux aller ouvrir? Tu dis que c'est moi. Maman, elle a dit, quand la porte elle est fermée, elle est fermée. Wallis, est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé juste avant que maman te donne le téléphone, s'il te plaît? On a fait des crêpes. Ah ben, c'est bien ça, les crêpes. Mais Mélo, alors que... j'entends rien, là. Je suis avec Asma, Wallis. Elle était comment, maman, pendant que vous faisiez les crêpes? Je sais pas. Elle saignait un petit peu du nez dans la salle de Attends, bain. Dans la salle de bain? Mais pendant les crêpes? Elle avait dit qu'on mettrait du Nutella sur les crêpes, mais on n'a pas fait. Mais elle a rien dit? Enfin, si elle avait mal quelque part, par exemple? Je sais plus. Non mais attends, Malo, elle est en train de faire un AVC là. Mais non, dis pas n'importe quoi. Wallis, c'est asthme. Elle saignait beaucoup, maman. Du nez, non, est-ce qu'elle saignait beaucoup? C'est pas lié, AVC et saignement de nez. Bon, elle est allée dans la salle de bain parce que pendant que vous faisiez les crêpes, elle s'est mise à saigner du nez, c'est ça? Non, c'est pas ça. Elle est allée dans la salle de bain. J'ai vu que la crêpe fumait. J'ai ouvert un peu la porte pour lui dire que la crêpe fumait. Et après, elle a... lâcher la boîte et elle est partie. Quand elle est partie, je l'ai vue un peu saigner du nez. Ah, d'accord. Non mais attends, elle est où maintenant? Et après, elle t'a donné le téléphone, puis elle est allée dans sa chambre, c'est ça? Oui. Wallis, est-ce que tu peux mettre le haut-parleur et aller devant la porte de la chambre de maman, s'il te plaît? La touche blanche, Wallis! Elle a 5 ans, Malo. Oui, voilà. Va devant la chambre. Et tourne le téléphone vers la porte. Je suis devant. Parfait. Loïs, c'est Malo, tu m'entends? Loïs, tu vas bien? Fais-moi un signe, Loïs. Si ça va, tape un coup, je sais pas. Je vais venir, Loïs. D'accord? Je vais venir, là. Je pars, là. Je pars tout de suite. Tu sais, elle a peut-être un peu la nausée. Enfin, on peut pas parler très fort quand on a la nausée. Bon. Je prends le relais, vas-y, maintenant. Elle répond pas. Oui, je sais, ma grande. C'est pas grave. Retourne dans le salon, je vais venir. Ça va être Asma au téléphone, Wallis, d'accord? Je te la passe. Prends bien. Coucou, Wallis. C'est moi. Coucou Asma, j'ai fait comme Malo, elle m'a dit. Je t'aime mon cœur. Je vais revenir, hein. Je te promets. Malo va arriver, mais moi je vais revenir. Après.
Vas-y, vite. Tiens, on n'a qu'à rester en contact. Appelle-moi, je te réponds ici. Wallis, tu t'inquiètes pas, hein. Tout va bien. Bon, ben... voilà. Malo vient de partir. Il va bientôt être là. Tu t'inquiètes pas. Wallis, t'es toujours sur le canapé, là? Oui. J'entends pas bien, Asma, là. Est-ce que tu veux regarder un dessin animé? Tu peux mettre le son de Wallis plus fort, s'il te plaît? Il est la nuit et maman, elle veut pas que je regarde les dessins animés la nuit. Mais c'est une soirée exceptionnelle, Wallis, ce soir, hein? Elle aurait bien voulu. T'es sûre? J'en suis certaine. Wallis, tout à l'heure, tu lui as parlé d'une boîte à Malo. Tu as dit la boîte que Loïs avait dans la salle de bain. C'est quoi cette boîte? C'est la boîte à maman, c'est la poudre de perlimpinpin. La poudre de quoi? Tu peux répéter, Asma? De perlimpinpin? Attends, Wallis, baisse la télé. Elle est comment cette poudre? Tu l'as déjà vue? C'est à maman la poudre de perlimpinpin, c'est pas pour les enfants, ça les fait disparaître. Maman, elle en avait un petit peu sur son nez avec le sang. Putain. Le nez? Oui. Elle prend ça? Toute seule? Je savais pas ça. Attends, vous preniez de la coke avec Loïs? T'inquiète pas, Wallis. Réponds, bordel de... Tu peux remettre Zou plus fort si tu veux. Tu savais que Loïs en prenait? On a pris quelques fois en soirée pour s'amuser, mais... Putain, Asma, mais... C'était quand, ça? Tu donnes pas de la drogue comme ça à quelqu'un qui va mal? Crie pas. C'était juste comme ça. Je savais pas, moi, qu'elle allait mal. T'es sa meilleure pote, Asma. C'est Loïs. C'est un vocal. Malo, c'est moi. Je suis désolée, Malo, je t'aime, mais là, je... Là, j'en peux plus. C'est pas tenable. Je vais me soigner, je t'expliquerai, je te promets. Prends soin de Wallis, s'il te plaît. Je pars maintenant parce que sinon je crois que je le ferai jamais. Après, ça sera mieux. Je t'aime. Oh putain, Louis. Qu'est-ce que tu fous? C'était le moment, là, pour disparaître. Oh, pourquoi tu m'as rien dit? Malo, écoute-moi. Elle va pas disparaître. J'en vois des tonnes, des toxicos qui partent sonner comme ça, Asma. Et prends soin de Wallis, mais... Je sais même pas à quelle heure elle doit être à l'école. J'aime pas trop Zou. Et j'ai faim, là. Malo, reprends ton chemin. Ma puce, tu peux te prendre une crêpe, si tu veux. Avec du sucre ou ce que tu veux. Asma, les flics. Il y a les flics là qui contrôlent là. J'ai oublié de faire le truc pour sortir l'autorisation. Là. J'ai pas le papier. Malo, écoute-moi. Ils sont où? Rue Picabia. Ok. Alors reprends ton chemin comme on faisait avant. Rue Racine. Ok, ouais. Je vais raccrocher pour aller plus vite. Tu restes connecté au cas où. Hein. Oui. Je reste là. Je suis là, Malo. Wallis? Wallis? Wallis, tu m'entends? Tu es où? Wallis, réponds-moi! Oh non, Wallis. Malo? Je sais pas où elle est. Wallis. Elle répondait plus après que je t'ai. Je suis là. Wallis. Oh, viens là, ma grande. Attends, qu'est-ce que tu manges là? Des crêpes. C'est quoi ça?
C'est pour faire comme maman, comme ça moi aussi je serai disparue. T'en as mangé là? T'en as mis sur la crêpe? Oui. Bouge pas, Wallis. Oui, bonjour, 19 rue Cocteau dans le 13ème. J'ai une enfant qui a pris de la cocaïne. Non. Je sais pas. D'accord. Wallis, attends, tu vas te mettre sur le côté. Voilà, ça va aller, ma grande.